si vous partez sur la simplicité, vous pouvez tout réaliser. Et ça, je te l'assure. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Monday Motivation, là où vous changez de vie avec Monday Motivation. Vivez votre vie comme un excellent week-end. Aujourd'hui, c'est un Monday Motivation spécial. C'est le numéro 73 de Monday Motivation, mais je le fais de manière spéciale parce que dans un premier temps, je veux faire simple, le plus simple possible. Dans un deuxième temps, c'est le sommet virtuel au BLTS de mai 2020 qui commence ce lundi. Donc du coup, je suis dans l'organisation, je fais pas mal de choses. Là, on doit accueillir tous les conférenciers, on doit répondre à toutes les questions et toutes les personnes qui participent doivent aussi avoir des réponses à leurs demandes. C'est vraiment super de pouvoir organiser ce sommet en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, on a pu organiser quelque chose de simple et aussi qui impacte. Et ça, j'ai compris une chose dans la préparation de ce sommet, c'est que la vie doit être toujours simple. Et je me rappelle dans le début de l'année 2020, avant l'année 2020, dans la fin de l'année 2019, j'ai fait mon point sur toute mon année 2019 et je me suis dit que 2020, ça sera une année de simplicité. Je vais tout simplifier dans mon business, dans ma vie, etc. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et le résultat de ce sommet virtuel vient aussi de cette simplicité, de cette envie d'aller vers ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, mais a été tout ce qui est urgent et qui nous prend énormément de temps, qui nous fait déborder qui nous fait passer à d'autres choses que ce qu'on doit vraiment faire. Et donc j'ai compris cela et je me suis dit, je veux plus que d'autres choses me dérangent dans la voie du chemin que je prends pour avancer vers ma destinée. C'est super important parce que notre vie, notre temps est limité sur cette terre et nous avons besoin de le maximiser. Pour le maximiser, il faut en prendre conscience que c'est notre temps et c'est notre plus beau cadeau. Et ce cadeau-là, si tu ne prends pas soin, si tu laisses autre chose prendre ton temps, tu ne peux pas le temps de le nettoyer, de dépoussiérer, de l'arranger, etc. Donc c'est super important de prendre conscience de ça. Et moi j'ai compris que pour réussir aussi en affaires, il faut faire des choix. Il faut faire des choix bien spécifiques, bien stratégiques. Et aussi, il faut savoir dire non. J'ai dit non à beaucoup de projets. J'ai dit non aussi à beaucoup de gens. Parfois, ça fait pas. Certains ne vont pas trop aimer qu'on leur dise non. Mais il faut apprendre à dire non. Et aussi, je conseille aussi à ceux qui ont du mal quand on leur dit non, d'apprendre aussi à accepter un non. Parce qu'un non, ça veut dire un oui plus tard. Donc, si on est là dans le sommet virtuel, ce lundi, on aura Julien Musi qui sera avec nous pour l'ouverture de ce sommet. Donc c'est à 10h et maintenant on aura chaque jour environ 6 intervenants qui va nous apporter des contenus vraiment de très haute qualité. Donc si tu veux encore participer, il reste encore de la place, donc tu peux encore t'inscrire cette semaine, même si tu n'as pas pu suivre les conférences en live, donc tu vas pouvoir le suivre en replay. Donc parce que vous avez l'accès à vie une fois que tu es inscrit à ce sommet. Donc merci vraiment parce que depuis le lancement de Monday Motivation, tu es là, tu nous suis et tu nous encourages. Et aujourd'hui, on fait ce sommet virtuel encore. Je prends le plaisir de te parler. Et puis, je te souhaite vraiment tout le meilleur, toi aussi, pour cette semaine qui commence. Et surtout, penche-toi vers ce qui est nécessaire, ce qui est important pour ta vie. C'est vraiment super important. C'est vraiment nécessaire pour toi et de prendre le cours de ta vie, de donner du sens à ce que tu dois donner du sens et de mettre de côté ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas nécessaire. C'est vraiment, vraiment mon conseil pour toi cette semaine et vraiment prendre le plaisir dans la vie, dans ce que tu mènes, dans ce que tu fais et ça n'a pas de prix. Merci à toi et puis on aura les prochaines séries de Monday Motivation comme d'habitude et puis je te dis à très vite. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la haute soif et ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. C'était Monday Motivation numéro 73. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
du Monday Motivation. Prends soin de toi et soyez passionné. À bientôt. Ciao, ciao.